Bonjour, bonjour. Ça fait super longtemps, mais je viens aujourd'hui avec un haul tissu. Oui. J'ai refait une commande Ristenstoffen. Ça fait super longtemps que j'avais pu commander chez eux. Je pense qu'en l'espace de 6 mois, j'ai dû commander 2 fois. Ça va, hein, comparé à une commande tous les mois il y a quelque temps. Je trouve que je m'améliore. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai dû un petit peu modifier certaines choses. Donc je suis un peu plus loin de ma caméra que d'habitude, donc j'espère que le son passera. Et je suis désolée, mais nous avons une luminosité horrible, donc j'ai dû allumer la ring light. Et le problème, c'est que je vais avoir besoin de mes lunettes pour pouvoir lire. Donc si je les enlève, je ne sais rien lire, mais si je les garde, vous avez le reflet. Voilà. Niveau vestimentaire, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'efforts. J'ai juste ce sweat qui est le sweat granite que j'ai cousu. Il y a quelques semaines, avec un petit top en dessous aussi bien large, bien loose. Et en dessous, c'est un legging de chez Decathlon. Donc voilà. Niveau maquillage, de nouveau, j'ai vraiment pas fait grand-chose, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai quand même fait l'effort de mettre un petit rouge à lèvres hivernal, couleur un petit peu plus foncée que d'habitude. Donc voilà. Alors, j'ai pris mon PC avec moi pour pouvoir voir le détail de mes commandes. Je vais. Sans tout faire tomber, vous voyez, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre des descriptions. Je vous mettrai les prix qui s'afficheront ici parce que je n'ai pas les prix, on peut pas tout avoir. J'ai les photos, les descriptifs des tissus et combien j'ai commandé, mais je n'ai pas les prix et j'ai pas envie de chipoter, de perdre du temps. J'ai tellement plus l'habitude de faire des hauls tissus que j'espère que je vais pas m'embrouiller, que je vais pas cafouiller et que ça va être une vidéo sympathique pour vous. Ce n'est pas parce que j'ai une boutique de tissus que je vais changer ma façon d'être. J'aime toujours autant les tissus, j'aime toujours autant passer des commandes. Et en fait, sur YouTube, j'ai vraiment plus envie de parler de moi, de mes projets couture, sans pour autant parler toujours de ma boutique. Je sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Par contre, mon Instagram a complètement basculé et là, on est plus objectif, enfin, objet ou destination boutique, où je parle de mes tissus, des patrons que je vends. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus correct. Voilà. Et alors, je voulais voir avec vous si ça vous intéresse qu'on fasse une fois par mois un petit live sur YouTube. J'ai vu que ça existait, j'ai vu que c'était à la mode, donc si ça vous intéresse. Franchement, ce serait super sympa de se retrouver en live ici et de papoter. Ça fait déjà 3 minutes que je parle. C'est déjà une très longue intro. Donc, je propose de commencer direct. Vous allez voir que ce sont des tissus. J'ai tout doucement préparé la belle saison, le printemps, l'été. On n'y est pas du tout. Mais bon, ça fait plaisir d'acheter des tissus colorés et légers. Donc, ici, c'est un tricot viscose. Vieux vert et j'ai pris 2 mètres. Regardez ça comme il est hyper joli. J'aime vraiment beaucoup. Alors ne me demandez pas ce que je vais coudre dedans, j'en ai aucune idée. Je les ai juste pris parce qu'ils étaient jolis. La gamine capricieuse qui achète des tissus rien que parce qu'ils sont beaux. Voilà, donc j'aime beaucoup et 2 mètres, bah, j'ai de quoi faire quoi. Je vous le montre de plus près. J'ai pris une viscose, donc 100% viscose bordeaux. Là également, j'ai pris 2 mètres. Alors, si on regarde, en fait, c'est une viscose, mais pour moi, à l'aspect et à la texture, double gaz. Elle est légèrement froissée. Elle est légèrement texturée, un peu comme une double gaze. Et là, j'ai pris 2 mètres. Ça, c'est d'office pour me faire une petite blouse. Et je trouve que c'est une couleur qui me va, mais très 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 bien au teint. Donc voilà. J'ai forcément pris 3 mètres de la viscose noire parce que ça c'est quelque chose que j'adore. Le noir, vous connaissez ma passion pour le noir. Les robes noires, les chemisiers noirs, les jupes noires. Enfin, je trouve que c'est hyper classe. Et ben donc voilà, il a la même texture, le même effet visuel que la viscose bordeaux. Donc 3 mètres, là j'ai de quoi faire. Je ne savais pas si je voulais en faire une robe, une blouse, donc 3 mètres, en sachant que moi je taille généralement entre 42, c'est vraiment très rare, mais 44, 46, donc il me faut quand même assez de métrage et j'avais pas envie
de tomber à court en fait. Ensuite, j'ai pris ce qu'ils appellent un soft polyester stretch, couleur pétrole, et là j'en ai pris 2 mètres. Alors je vous avoue honnêtement que, bon, le polyester on le sent, ouais, stretch on le voit quand même un petit peu, ouais ça va. Je vous montre tout de suite. J'adore la couleur. En réalité, c'est vraiment un pétrole qui tire vraiment plus vers le bleu marine. Voilà de plus près. J'ai pris 2 mètres. Je me demande si j'aurais pas dû prendre un petit peu plus parce que je ferais bien un bon burst dedans. Mais j'en ai jamais cousu. Donc je ne connais pas le métrage qu'il faut pour ça. Mais enfin voilà. Donc c'est du polyester, hein, les gars. Et alors, stretch. Je me posais la question, mais effectivement, c'est légèrement stretch. C'est pas non plus, ça n'a pas une élasticité de dingue, mais voilà, c'est confortable, quoi. Vous l'aurez vu, j'ai pas non plus, enfin vous le verrez, il reste déjà plus que 4 coupons. Ça va. Franchement, j'ai été hyper, oui, j'ai des problèmes capillaires. Je n'aime pas du tout mes cheveux en ce moment. Il y a des mèches qui sont beaucoup trop courtes, ça ne me va absolument pas. Donc, vous me verrez souvent chipoter dans mes cheveux. Donc, j'ai oublié de vous dire, au total, j'en ai eu pour... Bah, forcément... Ah, mais j'aurais pu vous donner les prix. J'ai ça là. Oui, bah, tant pis. Donc, au total, j'en ai eu pour 90,45 €. Frais de port compris. Il faut savoir que pour la Belgique, quand on se fait livrer, on ne paye que 4,95 €. Et alors, on est livré hyper rapidement. Enfin, moi, je trouve que c'est... vite vite. Alors là, je sais pas du tout pourquoi j'ai pris autant de métrage. Je comprends pas. Déjà, il faut que je retrouve mon tissu. Tiens, ah voilà. J'ai pris 2,50 m. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je vous avoue qu'ici, j'ai vraiment... C'est vraiment des tissus plaisir. J'ai aucun projet en tête sur comment les associer ou quoi coudre. Donc franchement, Mais pourquoi j'ai pris 2,50 m de celui-là? On est sur des couleurs quand même assez peps, hein. Là, les gars, on sent que j'ai besoin de couleurs, que j'ai besoin de vacances et que j'ai besoin de cocotiers, palmiers et mojitos sans alcool et sans sucre. Ah, il y avait longtemps, les chiens. Bref, donc, c'est un scuba crêpe couleur orange. Alors, franchement, oui, il y a de l'orange, mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir... La simplicité, la sobriété de ce tissu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais faire de 2,50 m dans ce tissu-là? Alors là, je n'ai aucune idée. Alors oui, il y a de l'orange, mais pas que. On aurait très bien pu l'appeler lila, rose, blanc, mais orange. Je vais probablement me faire... une petite robe d'été pour aller à la plage, mais je me dis, la matière, enfin, du scuba crêpe, c'est quand même pas si léger que ça, quoi. Donc, enfin, en vacances avec ça, les gars, je vais transpirer plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée. Alors là, j'en ai aucune idée. Un bon burst peut-être, là, j'ai de quoi faire, mais ça va vraiment pas être discret, hein. Pour aller bosser avec ça, ça va être compliqué. Mais, j'aime bien la matière, donc déjà les scuba crêpes de chez Dresden Stoffen, je les aime beaucoup. Et je trouvais que les couleurs étaient juste magnifiques. Mais je ne sais pas du tout quoi faire avec 2,50 m. C'est encore un tissu qui, à mon avis, va rester pas mal de temps dans la tissutech. On arrive tout doucement aux 3 derniers tissus. Ici, c'est un coup de cœur. C'est un, bah, de nouveau un scuba crêpe. Et de nouveau, j'ai pris 2,50 m. Mais les couleurs sont vachement plus sages, plus claires. Donc c'est une couleur écrue avec des petites fleurs, un motif floral. Voilà, voilà, voilà. 2,50 m de nouveau. Et alors chez DS, ils rajoutent quand même toujours un peu de métrage. Donc ça tombe, je me retrouve avec 2,70 m ici et ça devait être compliqué. Mais voilà ce qu'il donne. Franchement, il est canon. J'aime beaucoup les couleurs. Reste plus qu'à savoir ce que je vais faire dedans. Je vais trouver, hein, forcément, mais si je l'ai acheté, c'est que je l'aimais bien. Mais voilà, je ne sais pas. Je filme vite avant que mon mec voit tous ces tissus, parce qu'à mon avis, je vais en prendre plein la tronche aussi.
Ensuite, je me suis pris une viscose lin bleu foncé. J'ai pris 2 mètres. Alors ça, j'en avais déjà commandé. Et pour l'été, moi, j'adore me coudre des petites jupes là-dedans. Pourquoi pas des robes? Mais bon, avec 2 mètres, ça va être un peu short pour moi. Et j'aime beaucoup le motif. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez-moi ça comme c'est très, très, très joli. Moi, le bleu marine, c'est vraiment la couleur que je préfère. J'arrive pas toujours à l'associer, surtout en hiver, des robes bleues. Je sais jamais quoi mettre en dessous, donc quelle couleur de bas, quelle botte. Enfin, c'est compliqué, mais alors en été, je me fais plaisir. Et alors, vous avez des petites fleurs dans les tons beige gris avec du turquoise. Ce tissu est une pure tuerie. On continue dans les viscoses lin. Oui, je sais, j'ai craqué sur ça, mais les photos étaient tellement belles et les coloris sont tellement beaux que j'ai craqué mon slip. Alors là, c'est encore mieux. Je ne sais pas ce que j'attendais de faire. Parce qu'ok, je suis grande. Ok, je fais taille 44, 46. Mais bon, de là à faire une jupe dans 3 mètres de tissu, faut déjà y aller. On dirait que je vais me faire une traîne avec. Regardez cette beauté, donc c'est ce que eux ils appellent viscose lin écru. Donc le fond est écru et vous avez des petits motifs floraux. J'aime beaucoup, j'adore. Là, à mon avis, 3 mètres, je pourrais me faire une belle robe. Mais est-ce qu'on transpire beaucoup avec de la viscose lin? Parce que c'est quand même pas un tissu léger, je me dis, en été. Enfin. Encore faudrait-il qu'on ait un été où il fait bien chaud. Hein? Cet été-là, enfin cet été-ci, on a cherché la chaleur pendant un petit temps. Enfin voilà, toujours est-il que j'ai pris 3 mètres de ce tissu. On termine maintenant par le dernier tissu qui est une popeline de coton bleu marine. J'ai pris 2 mètres. Alors les popelines, j'allais dire les cotelines de popon. Il faut savoir qu'il y a encore 10 minutes, j'étais dans mon fauteuil en mitouflé dans un plaid à regarder la télé et j'avais la chaleur du poil qui m'endormait. Je me suis dit non, allez, va vite filmer ta vidéo, tu seras super contente après. Mais donc voilà, donc c'est une coqueline de poplon. Allez, on arrête. Donc voilà, donc bleu marine, honnêtement à l'écran elle fait même presque kaki plutôt que bleu marine. Mais je vous assure que dans la réalité c'est bleu marine avec des fleurs. Alors le jaune n'est pas aussi peps en réalité, c'est plus un jaune pastel qu'un jaune bien flash, un jaune canari poussin. Voilà, voilà, là il y aura certainement une petite blouse dedans. Voilà. Niveau, on va continuer, on est quand même dans un haul. Niveau magazine, j'ai pas acheté grand chose. J'ai reçu mon dernier Burda Easy, je vous mets l'image ici. C'était la discussion qu'on avait sur Instagram avec quelques copines. Je ne vais probablement pas renouveler mon abonnement Burda Easy. Je trouve que les modèles sont de plus en plus moche, c'est plus en plus, enfin c'est toujours la même chose et je trouve que la qualité des photos, des associations de tissus, de coloris, enfin voilà, je trouve que ça me correspond absolument plus. Donc voilà, c'était le dernier truc que j'ai reçu. Au niveau des patrons, j'ai commandé hier, j'ai craqué, il y a Sophie Denis qui fait des promos sur son site, donc j'ai commandé son dernier patron, je me souviens plus du nom, donc je vous le mets ici. Donc j'ai commandé en promo, je ne sais pas quand se termine la promo, mais allez toujours voir, ça vaut toujours la peine. Et j'en ai profité pour commander également sa jupe, je vous mets la photo là parce que je ne sais pas du tout le nom, je vous avoue. J'ai fait ça hier soir dans le cake après avoir pris mes médicaments. Donc je savais les patrons qui me manquaient, que je voulais d'elle. Donc voilà, sinon j'ai été relativement sage. Ouais, j'ai été sage. Moi je trouve qu'un haul, je ne sais plus depuis quand date mon dernier haul. Je vais une fois regarder, je le mettrai. Mais ça fait quand même quelques mois. Donc
Je trouve que, alors ok, j'ai commandé des patrons, des tissus et je ne sais pas quoi en faire, d'accord. Mais une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois, c'est pas dramatique. J'ai quand même pas mal j'ai pas mal cousu de modèles avec ce que j'avais déjà en stock. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous annonce déjà que la prochaine vidéo, je vais tester 2 patrons de la marque Mimi G-Style. Je n'ai jamais testé ces patrons. J'en entends beaucoup parler. J'adore la créatrice. Je trouve qu'elle est juste canon, 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 canon. Elle donne envie de coudre tous ces modèles. Donc, j'ai commandé, j'ai téléchargé, j'ai imprimé. Il ne reste plus qu'à coudre. Donc, ça viendra dans les prochaines vidéos. Et j'ai bien envie également de vous faire une petite vidéo présentation du site, présentation de l'univers de la créatrice et sur les patrons, sur ses patrons, donc plus d'aspects. Pratico-pratique, donc combien de pages, comment imprimer, est-ce que j'ai eu des difficultés à scotcher, est-ce qu'il y a eu un décalage, vous parler un petit peu du pas à pas et compagnie. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse un petit peu évoluer, de présenter d'autres choses. Donc voilà, je vais mettre tous ces tissus à laver, je vais changer de chaussures, mettre ma grosse veste et rejoindre mon loulou qui joue dehors tant qu'il fait encore jour. Et donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.